dirty old river must you keep rolling, rolling into the night. People so busy make me feel dizzy. Taxi light shines so bright. Bonjour, comment allez-vous? Changement de décor dans cette vidéo puisque nous sommes à Londres, en tout cas je suis à Londres et nous allons partir à la découverte de cette merveilleuse, merveilleuse ville à travers la littérature. Le programme de cet après-midi, c'est aller à tous les endroits qui sont cités dans Mrs. Dalloway. Parce que dans ce livre de Virginia Woolf, on découvre la journée d'une femme qui s'appelle Clarissa Dalloway et de plein de personnages à travers la vie de Londres, et je crois que tout se passe du côté de Westminster, donc on va passer l'après-midi là-bas. Et évidemment, je ne vous oublie pas et je vous emmène avec moi. Westminster, c'est là. Alors on va pas se mentir, hein, Mrs. Dalloway, c'était une richoue. Déjà, quand t'habites dans un quartier proche de Buckingham Palace, tu te doutes bien que tu ne fais pas partie de la plèbe. Et donc, à travers une journée de la vie de cette femme d'une cinquantaine d'années mariée à un membre du Parlement, on va en découvrir plus sur la bourgeoisie londonienne des années 20. L'histoire commence avec Clarissa Dalloway qui se rend chez sa fleuriste entre Westminster Cathedral et Big Ben, et il faut savoir que la vie de tous nos personnages va être rythmée par Big Ben. La cathédrale a une place hyper importante puisque peu importe où vont nos personnages, ils finissent presque toujours par la croiser, puisque dans le quartier de Westminster, elle est quand même prépondérante. Mais il faut savoir qu'on ne se concentre pas uniquement sur Clarissa Dalloway, puisque Virginia Woolf, dans ce livre, elle offre une vraie fresque londonienne, et on va y découvrir plein de personnages qui vont croiser la route de Clarissa. On passe vraiment du point de vue d'un personnage à un autre, sans pause, sans marqueur. Parfois il y a juste un saut de ligne, et du coup on a des petites notes de page qui nous permettent de savoir où on en est. Et on apprécie considérablement ces notes de bas de page, parce que je pense que sans elles, j'aurais été perdue. Vraiment très perdue. Il n'y a pas de chapitre, rien du tout, et j'ai trouvé que c'était un peu une métaphore de la vie, hein, qui ne nous laisse aucun répit, qui continue malgré tout, et on sautille d'un personnage à l'autre comme ça, comme le long fleuve qui est la vie. Et c'est là qu'on arrive dans St James Park, donc le parc qui est vraiment en face de Buckingham Palace, parce qu'on va suivre pas mal le point de vue de Septimus Warren Smith. En gros, c'est un ex-militaire qui revient du front et qui ne ressent plus rien, il est victime d'hallucinations, de schizophrénie, etc. Et donc c'est une excuse pour découvrir ce parc, qui est notamment très connu pour ses écureuils. Ensuite, je suis remontée plus au nord du quartier, vers St James et Mayfair, parce qu'on dit que les Dalloway habitent près d'une église Sainte-Margaret, je ne l'ai pas trouvée. Mais ça donne une excuse pour aller sur Bond Street, Piccadilly Circus, etc. Et surtout, Clarissa va dans une librairie absolument incroyable, qui s'appelle Hatchard's, et qui est très connue dans le quartier. Je vous laisse avec ces images absolument incroyables. Et sinon, c'était donc un chouette livre, ça nous permet quand même d'en découvrir plus sur le patrimoine architectural, notamment londonien. Alors certes, on n'est pas sur les lieux les plus modernes du monde, c'est quand même des trucs très connus, très touristiques, mais si vous prenez le temps dans ces quartiers-là quand même de vous perdre un peu dans les rues adjacentes, il y en a qui sont vides et très mignonnes, donc c'est un quartier où aussi il fait bon flâner, se perdre et aller un peu à la rencontre de l'inconnu. Ce que j'ai bien aimé dans l'histoire, c'est qu'on suit quand même des personnes qui ont conscience de leurs propres contradictions, que ce soit dans leurs actes ou dans leurs discours, et que ça nous confronte, hein, nous-mêmes à nos propres incohérences, on va dire. On est un peu dans une situation miroir-miroir, où c'est à la fois inconfortable et en même temps assez satisfaisant. On sort un peu de notre zone de confort, mais pour le mieux, donc c'est un truc que j'ai beaucoup aimé. Et on a des personnages secondaires notamment qui vivent, les gars, une crise existentielle de folie à base de à quoi bon la vie et de et je fais les bons choix. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas, ne paniquez pas, c'est un livre loin d'être ennuyeux ou déprimant, parce que on a la plume de Virginia Woolf qui est absolument délicieuse, piquante, acérée, satirique, bref, tout le monde en prend pour son grade et on ne s'ennuie absolument jamais. La deuxième lecture que j'ai prise, c'est Neverwhere de Neil Gaiman, parce que déjà c'est un style totalement différent du premier, et en plus on y parle d'un Londres imaginaire, un Londres d'en bas. En gros, il y a la ville principale et en dessous il y a une ville à l'envers, une cité souterraine. Ce
qui est intéressant ici, c'est qu'on y parle d'un Londres qui est forcément plus moderne, puisque c'est le Londres actuel. On va du coup découvrir des lieux comme la City, et la description des bâtiments est un peu plus à jour, on va dire. Mais en même temps, il y a cette petite touche de magie, cette espèce de philosophie de conte moderne, où on imagine quelque chose de totalement fantastique, une vie souterraine qui pourrait exister en dessous de Londres. Et donc, on aborde ce côté un peu plus underground, ce côté un peu plus industriel de la ville qui colle parfaitement avec ses bâtiments en briques rouges, ses souterrains, le fait que la modernité vit et cohabite avec l'ancien, et ça décrit parfaitement Londres, en tout cas de nombreux quartiers et zones du centre-ville. Et ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est que à Londres, les stations de métro ont des noms qui se prêtent en fait à des traductions littérales. Vous avez par exemple Angel Station, dans le quartier d'Islington, que Neil Gaiman transforme en personnage et ça donne naissance à l'ange Islington. On a le quartier des Black Friars, désolé pour mon accent, mais qui veut dire les frères noirs et qui donc donne naissance cette fois-ci à des moines noirs qui vont aider nos héros dans leur quête. Et là forcément c'est le moment où on regrette qu'il y ait des stations comme Elephant and Castle Station ou Black Horse Station qui ne soient pas mises en avant, parce que j'aurais adoré, vraiment adoré, voir celle avec l'éléphant et le château. J'aurais bien aimé voir ce que Neil Gaiman aurait pu en faire. 3 années passées à Londres n'avaient pas changé Richard, même si elles avaient modifié sa vision de la ville. À l'origine, il imaginait Londres comme une métropole grise ou même noire. D'après les photos qu'il en avait vues, il avait été surpris de la trouver pleine de couleurs. C'était une cité de briques rouges et de pierres blanches, d'autobus rouges et de gros taxis noirs, qui souvent au premier étonnement de Richard se révélaient dorés, verts ou bordeaux, de boîtes postales rouges vifs et de parcs et cimetières verts et herbus. C'était une ville où se bousculaient le très ancien et le fâcheusement nouveau, dans une promiscuité qui ne manquait pas trop fort, même si elle ne s'embarrassait pas de respect. Une cité de boutiques, de bureaux, de restaurants et de demeures, de parcs et d'églises, de monuments négligés et de palais singulièrement peu palatiaux. Une cité aux 100 quartiers curieusement nommés: Crouch End, le bois accroupi, Chalk Farm, la ferme de craie, Earl's Court, la cour du comte, Marble Arch, l'arche de marbre, Old Bailey, le vieux rempart. J'ai trouvé que c'était un très bon livre pour commencer, c'est très drôle, la plume de Neil Gaiman est vraiment très sympa, c'est une bonne manière d'aborder la fantasy puisque c'est très accessible, et ça permet de dépeindre quand même une image de Londres qui est un peu romancée, un peu féerique, ça ressemble à un conte, et je trouve ça sympa d'avoir lu ce livre, de lire ce livre et de se balader dans la rue et d'imaginer en fait le peuple d'en bas vivre sous ses pieds. Moi je sais que ça m'a vraiment fait cet effet là, ça m'a apporté une autre vision de Londres beaucoup plus imaginaire et je trouve ça très rafraîchissant. Je recommande donc, si vous avez envie de vous balader dans Londres et de vous imaginer un monde invisible sous vos pieds avec des personnages attachants, notamment Richard, notre personnage principal qui va se retrouver mêlé avec le monde d'en bas un peu contre sa volonté, et une quête ma foi bien rythmée avec un imaginaire foisonnant, bref, c'est quand même un cocktail plutôt réussi et c'est rafraîchissant, vraiment rafraîchissant. Bon, et forcément je me voyais mal passer une semaine à Londres sans emmener un livre en anglais, et j'ai choisi Brick Lane de Monica Ali, qui fait partie des livres en ce moment les plus populaires dans la sphère anglophone, et surtout qui va traiter d'un sujet qu'on n'a pas encore abordé, qui est le côté multiculturel de Londres, parce qu'il y a une forte immigration notamment d'Inde et de Bangladesh qui est venue enrichir la ville. Il faut savoir que Brick Lane, c'est une rue au cœur de la communauté bangladaise qui est située à l'extrême ouest de Tower Hamlets, qui fait partie en fait des quartiers les plus pauvres de Londres. Alors je vous cache pas que quand je me suis rendue à Brick Lane et dans le quartier environnant, j'ai une sensation un peu étrange parce que il y a des endroits qui sont extrêmement riches, ça se voit que c'est très hipster. On a par exemple le Old Spitalfields qui est un marché couvert où le niveau de vie voilà, est assez élevé, on voit qu'il y a des boutiques assez chères, etc. Et ensuite, plus on s'éloigne de ces rues-là, plus on sent que ça s'appauvrit. Et donc quand je m'y suis rendue, j'ai pas vraiment retrouvé l'esprit du roman, mais après l'histoire se passe dans les années 80, donc je pense que le quartier a beaucoup évolué en 40 ans, et qu'on retrouve pas vraiment l'ambiance qui est dépeinte. Après ça se ressent qu'il y a une forte immigration, il y a des marchés couverts avec des stands de nourriture de tous les pays différents,
Il y a beaucoup de magasins qui sont indiens, qui sont bengladais, donc on ressent vraiment la présence de cette communauté et l'impact que l'immigration de ces pays-là a eu sur l'enrichissement de la culture de Londres. Mais après, c'est vrai que Brick Lane est intéressant plus par l'histoire des personnages que par l'image et la représentation que ça nous fait de Londres. Franchement, j'ai bien aimé ce livre parce que ça nous dépeint quand même une vision de Londres assez différente avec la notion d'immigration et la difficulté de s'intégrer dans un pays étranger, surtout quand on doit porter quelques préjugés sur son dos, préjugés raciaux, culturels. Du côté de Nasneen, qui est donc notre personnage principal, elle a 18 ans, elle vient d'arriver à Londres suite à un mariage arrangé. Elle ne sait pas vraiment qui elle est, elle a l'impression de juste devoir se laisser aller au destin, etc., qui va un peu tout décider pour elle. Elle va essayer de trouver sa place dans ce pays étranger, dans cette communauté. Et du côté de Chanu, son mari, on va avoir l'idée que même à Bangladesh intégré, va rencontrer plein de difficultés, notamment le fait que les Anglais pensent qu'ils sont là pour prendre leur travail, enfin voilà, les préjugés classiques. Et même lui, il a développé une forme de racisme et de rejet envers les autres Bangladais qui, eux, sont arrivés par exemple illégalement, alors que lui, il est différent. Lui, il est venu par avion, lui, il est venu avec des diplômes, lui, il est venu, il veut s'intégrer, il parle anglais, il connaît les philosophes, et donc il se sépare vraiment, il fait la différence entre les autres et lui, et donc ça met encore en évidence la difficulté de s'intégrer quand même, on n'arrive pas à s'associer à la communauté qui est sur place, etc. Et donc Monica Ali, étant elle-même une femme anglaise originaire du Bangladesh, je pense qu'elle avait envie de casser un peu tous les clichés et de s'éloigner de toutes les caricatures qui avaient été faites sur les Bangladais avant dans les œuvres de fiction anglaise et même mondiale. J'ai trouvé donc que c'était un bon livre sur les relations maritales, la relation entre sœurs, l'immigration, l'intégration, l'expatriation. J'ai trouvé que le récit était un poil long, la narration était un poil long, et comme on est sur des personnages qui sont très passifs au début, ça tire un peu en longueur, il y a un peu de sentimentalisme et tout, mais sinon c'était un très bon récit, ça m'a ouvert l'esprit et ça m'a donné une autre vision de cette ville qui est très cosmopolite. Quand j'étais aux États-Unis, j'avais moi-même deux amis originaires d'Inde qui habitaient en Angleterre parce que leurs parents avaient immigré là-bas, etc. Donc c'est vrai que c'est une terre et une ville très riche culturellement et je suis contente d'avoir pu mettre en avant ce côté-là de la ville que j'apprécie particulièrement grâce à ce livre. C'est tout ce que j'avais pour vous, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura fait voyager à Londres le temps de quelques minutes. J'espère que le format vous plaît et j'ai bien envie de le faire dans d'autres villes. N'hésitez pas à me dire en commentaire les livres qui vous ont fait voyager à Londres, en Angleterre, peu importe. Je vous lirai avec attention. En attendant, je vous souhaite le meilleur et je vous fais plein de bisous. À la prochaine! Ou devrais-je dire see you soon?